Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Donc, chers amis, il est grand temps que j'explique 2-3 petites choses, parce que je vois que ça rage de plus en plus dans les commentaires, parce que je rage, ou parce que, voilà, telle ou telle raison, parce que je dis que le jeu est pas bon. Alors, j'invite ceux qui ne connaissent le jeu que depuis très récemment, c'est-à-dire depuis environ 8 mois, on va dire, à regarder les premières vidéos du jeu, déjà, sur rien que le principe des crates qui n'étaient pas présents donc au début du jeu. Oui, parce que je vais expliquer un petit peu tout le bordel du jeu, hein, pourquoi je dis que le jeu est mauvais par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et donc aussi par rapport à l'équilibrage de chacune des nouvelles armes, des nouvelles choses qu'ils nous ont implémentées. Hop. Ce qui pour moi serait une bonne chose, ce serait de toutes les présenter entre guillemets une par une. Malheureusement je connais pas véritablement le sens de toutes les mises à jour, ce qui fait que je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous en parler. Cependant, parlons-en vu qu'on y est littéralement, hein. Sont mes copains, d'accord, ils sont partis de l'autre côté. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Hop. Bref. Donc voilà. La plupart des... Alors déjà, des comment, on va retourner voir avant les crates. C'est-à-dire que vous aviez en fait tout simplement des points que vous receviez à chaque fin de partie pour acheter des pièces. Normalement c'était ça, je me rappelle de mémoire, hein. Bon, ça déjà en soi, c'était pas l'idée du siècle, hein, comme on dit. Mais, ils avaient réussi... Hop. Tant bien que mal, à nous donner quand même l'envie de jouer, parce que tout simplement, c'était rentre... Ah mais merde, il se fait heal en fait, j'avais pas capté. J'avais pas capté que monsieur se faisait heal. Bon. Du coup, ça nous permettait en fait tout simplement de continuer à jouer, il me semble, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on était gagnant. Mais là, à l'heure actuelle, le endgame du jeu, on va parler vraiment du endgame du jeu, parce que c'est le endgame le véritable problème, c'est que les différentes armes sont à un prix colossal. Et quand je dis colossal, c'est bel et bien pour faire comprendre que ce n'est pas un prix que je trouve, que beaucoup de personnes trouvent legit. Hop. Voilà. Autrement dit. Ah, ils me font chier de constant heal. Et puis mes potes qui me couvrent pas. Bon, on va se rentrer. Si on le peut. Hop, casse-toi! Ah bah non, ah non, pensez-vous. Bref, donc voilà. Donc on arrive à un niveau où en fait il faut constant, enfin faut farmer le jeu pour récupérer le moindre petit légendaire. C'est-à-dire qu'il faut farmer, il faut vraiment farmer. Moi à l'heure actuelle, je vous le répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, je joue au jeu, je fais à peu près 2 vidéos en ce moment tous les jours, simplement parce que ça permet d'avoir mon week-end, tous les 2 jours pardon. Comme ça me permet d'avoir mon week-end. Donc tous les 2 jours en fait je rejoue à une... Je refais quelques parties du jeu tout simplement. C'est-à-dire je fais... Hop. Je fais 2 parties. Enfin 2 épisodes. Tous les... 2 jours. Donc déjà de base ça ne correspond plus entre guillemets avec le système de loot crate et tout ça. Ça ne correspond plus du tout à ce que je peux faire pour faire avancer la série tout en jouant au jeu. Ça c'est un problème déjà, un premier problème. C'est-à-dire que le gameplay que j'en fais n'est plus suffisant, comparé à ce qu'il était au début du jeu, hein, pour avancer dans les différentes mises à jour qui sortent. Et le problème étant que, comme vous pouvez le voir tous, c'est que ces différentes... mises à jour sont cruciales puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces armes sont cheatées. C'est-à-dire qu'à leur sortie, elles sont pas du tout équilibrées avec le reste du jeu. Ce qui les rend tout bonnement, je vais pas dire inutilisables. Enfin, c'est pas inutilisable justement, c'est...
imparable. Vous avez pu voir à quelle vitesse le Shredder là me tue, hein. C'est une véritable plaie, hein, soyons honnêtes. Hop. C'est une véritable plaie et le jeu en est véritablement injouable. Le jeu en est véritablement injouable parce que du coup, bon nombre de ces robots sont un peu trop puissants. Bon là, j'ai de la chance. À chaque fois que je veux expliquer mes propos, je me fais avoir parce que le jeu en fait me montre des gens qui sont normaux, mais qui sont d'autres raisons, je peux pas entre guillemets corroborer mes propos avec des images littéralement là pour le coup. C'est ça que je veux dire. Hop. Ah mais vous êtes un peu nombreux là. Mais voilà. En dehors de ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien les Battle Arena sont toujours aussi intéressantes, hein, mais elles n'ont pas été revisitées, il n'y a que 3 maps ou 4 maps, je ne sais plus. Et donc du coup on arrive à des maps qui malheureusement, enfin à un bout d'un temps, un certain temps, on a plus de 300 épisodes, des épisodes qui écoutez, sont extrêmement redondants déjà pour ça. En plus, donc je rappelle que le jeu s'appelle Robocraft, c'est-à-dire qu'il faut créer ces robots. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, certaines pièces sont encore mal faites, mal fichues, ce qui fait qu'en fait on ne peut pas forcément les mettre en parallèle. Parce que voilà, on ne peut pas mettre ceci, cela, et du coup le jeu ne veut pas. Bon. Ça c'est encore autre chose. Donc on arrive en fait à avoir un jeu qui est assez buggé, qui finalement est mal optimisé au niveau de son équipement, de son armement, notamment parce que voilà, nouvelle mise à jour, attention, achetez tous la même chose. Achetez-nous des crédits pour acheter l'arme, voilà. Bon, ça c'est un peu naze. Donc bon, on a pas de chance de ce côté-là. On va reprendre ce robot-là. Oui, on va reprendre ce robot-là, je l'ai pas fait encore. Hop, on part en team deathmatch. Donc voilà, de ce côté-là, encore une fois, on a pas de chance. Ça me rend parce qu'en fait, disons que l'optique du jeu a changé. Maintenant, c'est un jeu qui est censé faire de l'argent. C'est un jeu buy to win, c'est ce qu'on appelle un buy to win. La preuve en est, c'est que on peut voir que tous les 15 jours, presque, enfin pendant un temps, on en a même eu toutes les semaines, mais tous les 15 jours, on a une nouvelle arme qui, à chaque fois, ou toutes les 3 semaines maintenant, je sais pas ça fait combien de temps qu'il y a eu le shred, mais on a des nouvelles armes ou des nouvelles choses qui arrivent et qui sont à chaque fois toujours un peu plus cheatées. Bon, il y a eu les formes qu'on ne voit personne utiliser d'ailleurs, hein, on remarquerait. Donc, du cosmétique qui, cette fois-ci, encore une fois, vaut extrêmement cher en nombre de points. On voyait encore une fois l'aspect où il vaut mieux payer ou jouer énormément pour acheter les choses, ce qui encore une fois n'est pas mon cas. Donc du coup je vois que donc j'avance plus dans cette série, hein, malheureusement. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai demandé au développeur du jeu un compte presse. Là je ne sais pas combien de jours ça fait. Je ne me rappelle plus trop quand est-ce que je l'ai fait. Cela dit, je n'ai toujours pas la moindre nouvelle. Je sais que je suis pas encore, ça doit faire moins de 5 jours parce que je dois pas être encore dans la limite, j'ai pas reçu de... Waouh. Vous voyez par exemple une arme qui était censée faire beaucoup de dégâts mais qui au final n'en fait pas. Elle est super grosse mais elle ne sert strictement à rien. Merci le jeu, hein. Je précise que là le jeu est vachement sympa avec moi. Hop. Hop, parfait, on en a eu un. Hop. Hop, bouf. C'est un petit peu trop nombreux par là. En train de me demander si je fais véritablement des dégâts ou pas. De toute façon, je me suis fait tellement de dégâts là d'un seul coup. Ah, c'est parce qu'il a un shotgun, non? Ah non, c'est parce que c'est ses lames. C'est ses lames qui m'ont fait des dégâts, tout simplement. À 3 km de long, je crois. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Le jeu a aussi, alors faut aussi venir là-dessus, le jeu a aussi produit aussi une physique qui est mal faite et très mauvaise. Indiquant donc principalement le fait que il y ait des limites, on va dire.
apporter à un moteur physique des limites qui sont illogiques. Je pense que ça pourrait venir de là. D'accord, il restait quelqu'un ici, d'accord. Il devait être invisible, j'imagine. Bref, ça c'est encore autre chose. Et donc du coup, oui, j'ai contacté les excusez-moi, j'essaie de focus sur ce que je dis parce que là c'est compliqué en même temps de jouer. J'ai contacté du coup les développeurs pour essayer d'avoir un compte presse qui pourrait m'aider à au moins vous présenter les mises à jour quand elles sortent et vous faire 2-3 parties de gameplay dessus entre deux mises à jour simplement. Hein. C'est continuer sur le rythme actuel et avancer quand même le long des mises à jour. Ça apparemment ça ne va pas être entre guillemets possible vu que je n'ai toujours pas de nouvelles pour l'instant en tout cas. Mais bon, j'ai l'espoir encore d'y arriver. Hop, j'ai l'espoir encore d'y arriver. On verra si oui ou non ils vont accepter de me faire part d'un compte presse. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, ce sera l'arrêt de la série pour autre chose. Et c'est pour ça que je vous invite à donner directement d'autres jeux, peut-être des free-to-play aussi, encore une fois, qui sont capables de vous donner envie de jouer à un jeu, mais dont vous ne connaissez par exemple pas assez au jeu. Et qui me permettrait moi d'essayer d'apprendre un petit peu le jeu et de vous y aider petit à petit. Voilà. Parce que oui, si ça ne sert à rien, si je ne peux pas avancer dans le jeu et que finalement vous voyez toute la même chose. La preuve en est que j'ai pas les robits pour faire des robots, j'ai pas. J'ai pas tout ça. Hop. Voilà. Donc ouais, on va bien voir. On va voir ce que les développeurs vont entre guillemets pas décider, mais presque. Hop. Parce qu'après tout, là, j'ai mis la série dans leurs mains. Maintenant, je vais être honnête, en plus de ça, s'ils daignent pas me répondre, alors que j'ai fait plus de 300 vidéos sur leur jeu, bon, il y a quelque part pas un manque de respect, mais enfin, je veux dire, j'ai quand même mis le lien de la chaîne, ils peuvent bien vérifier un petit peu. S'ils prennent pas la peine de répondre, c'est clairement un manque de respect, puisque de toute façon, c'est du j'ai contacté le support. Hein. Donc, s'ils répondent pas en plus aux joueurs, soit ça veut dire qu'ils répondent pas aux joueurs avec le support, ce qui m'étonne. Soit ça veut dire que malgré tout, ils veulent pas me répondre simplement. Hein. Et ça, je trouve ça un peu pathétique. Je sais pas si je fais vraiment des dégâts. Aïe. Ah merde, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Je sais plus où sont mes pieds, par là. Hop, vas-y. Roule petit crabe, enfin marche petit crabe. Non, je marche encore. Aïe. Hop. Enfin bon, on verra. Maintenant, l'avenir de la chaîne est entre leurs mains, littéralement. Bon bah, je suis mort. Faut dire, c'est pas comme si j'étais aidé, hein. 17-18 ? Qui c'est qui a donné sans cesse ? Ah bah d'accord. Ah c'est bien de faire 4 kills mais enfin bon si vous les donnez aussi c'est pas la peine hein. Ah non c'est 13 excusez-moi. Bon je suis le pire de l'équipe apparemment mais c'est pas grave hein, bon, j'en ai rien à faire. Alors reviens par là. Hop. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau de la série Robocraft. Voilà. Je ne peux pas dire mieux malheureusement. Bon. Encore une victoire de canard, hein, comme on dit. Mais enfin bon, ça sera pas vraiment une victoire parce que je pense qu'on va avoir la pire, on va avoir la silver, je pense. Tu me diras, tout ce qu'on a eu en légendaire, on l'a eu en silver. Hein. Donc bon. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Il devrait rajouter des points en plus de la boîte de loot, des points. Enfin bon, ça fait longtemps que je le dis. Ce sera pas
à planter. Ok. Bon bah écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode d'un petit peu explication. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop.